Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Alors, on va parler à Lana. Bonjour Lana. Peut-être clarifie quelque chose. Comment je peux vous aider? Je vous écoute. Mon ami Jory était sur Eos la toute première fois. Il s'en est sorti de justesse. Et maintenant, ils veulent le renvoyer là-bas. Ils disent que la situation s'est améliorée, que c'est sans danger maintenant. C'est vrai? C'est moins dangereux. Alors là, vous voyez, je trouve ça... C'est soit noir, soit blanc. Il risque d'y avoir des menaces sur Eos pendant encore un moment. Si vous ne vous êtes pas encore remis de votre séjour précédent, vous devriez rester sur le Nexus. Tu vois, Lana, je te l'avais dit. Merci, pionnier. Je vais suivre vos conseils. Dac. Je préfère être honnête, il y a encore du danger. Moindre, minimisé... Mais il y aura forcément... Mais il y a du danger dans ce genre de d'optique-là, il y a du danger partout, quoi. C'est ça qui est débile. Enfin bon, c'est pas grave. En attendant, trouver la palette dans la vidéo. Ok. Trahison Krogan, nanana. Projet secret PB, il y a les mecs récupérer le high-tech sur le site de Völd. On pourrait aller sur Völd. Le Nexus, dragon endormi, parler au contestataire. Attendre un email de la justice. Ok, on va pas aller voir le dragon endormi, alors. Hello! Ok, c'est bon. Bon, j'aimerais peut-être aussi vous concerter, chers amis, vous concerter, enfin, bref, en parler un petit peu avec vous. Oui, vous concerter, tout simplement, oui, c'est bien ça en plus. Est-ce que vous souhaiteriez que je rush un petit peu plus le jeu? Je fais toutes les quêtes, là, un petit peu, ou en tout cas celles qui m'intéressent. Et moi, je me dis que je pourrais peut-être aussi avancer un peu plus dans le jeu, tout bêtement. M'occuper que de l'histoire principale, et après, on verra pour un jeu suivant. J'ai envie d'essayer de brasser un peu plus les différents jeux sur la chaîne. Et de voir un petit peu ce que je peux faire. Qu'ils écoutent, qu'ils dirigent, ou qu'ils partent. Libérez nos familles. Libérez, délivrez. La voilà, votre nouvelle galaxie. On fait de beaux discours sur les nouveaux départs, et pendant ce temps, vos enfants restent congelés. Et tout ça grâce à votre pionnier. Pardon ? Ça fait des mois qu'on attend que nos familles soient sorties de stase. Elles devraient déjà être à votre avant-poste. Ah bon ? Mais comme vous faites passer la recherche avant tout le reste, les militaires ont été relégués en fin de liste. Mes frères de clan, par exemple. Oh ! Toutes ces réaffectations, ils se retrouvent dans 10 groupes de colonisation différents. Et ma mère s'est retrouvée coincée en plein milieu. Peut-être qu'elle aime ça, ta mère ! Fallait bien choisir. On avait les ressources nécessaires que pour un seul avant-poste. Alors j'ai dû me concentrer sur ce dont on a le plus besoin. Et ce dont on a besoin, nous, c'est de revoir nos familles. Vous pourriez encore arranger les choses. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on sorte nos proches de stase. Bah oui, mais le problème, c'est que si j'accède à vous... Vous n'avez qu'à dire à nos dirigeants que vous ouvrez ces modules. Aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. La situation est différente. J'autorise le réveil de groupes de colonisation ou de certaines personnes en cas d'urgence. Je peux pas réveiller des dizaines de gens au hasard. On se moque de qui appuie sur le bouton. Nos dirigeants peuvent le faire à votre place. Ils accepteront si vous leur demandez. Je peux leur demander, mais je veux aussi leur parler de mes contre-arguments. Avec les dirigeants, ce qu'il est possible de faire. 14 mois qu'on nous fait des promesses. Il est temps qu'on voit des résultats. Oh ouais, c'est fait gaffe, hein, je voudrais pas renvoyer ta race en dehors du Nexus, quoi, perso. Commencez par Kandros. C'est lui qui nous a envoyé ce petit soldat. Il nous prendra peut-être au sérieux. Oh là là ! Oh. Moi, j'ai pas envie de me faire chier avec ce genre de choses. Ils attendent, point barre. Je peux comprendre que ça fait longtemps. Mais on ne s'est pas les seuls à perdre des gens. Et le problème, c'est que si je dis amen à ceux-là, eh ben, je vais devoir dire amen à tout le monde. C'est pas ma politique. C'est pas du tout ma politique. Alors sinon on fait bosser leur gamin, le gamin il a 6 ans, il va bosser dans le Nexus, c'est tout, point barre. Y'a pas de soucis, hein. Moi je veux bien qu'on le fasse, hein, mais faut falloir payer les mecs. Hein. Kandros, faut falloir que tu me mates cette rébellion. Encore. Bonjour. Bonjour. Pouvoir, enfin. Il paraît que vous n'avez pas chômé. Je fais ce que je peux. Ça comme ça. Bref, bienvenue au QG de la milice. Excusez le désordre, on y gère le travail de la milice. La sécurité du Nexus et la recherche de l'Arche Turienne. Vous avez des nouvelles de l'Arche? Des infos par-ci par-là. Certains disent que le Natonos a été détruit, d'autres qu'il y a des survivants. Qui sait? S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir.
même si c'est juste pour aller. À propos des contestataires. On parle du réveil post-stase et de ces contestataires à la ferme hydroponique. Je vois. Je ferais peut-être mieux d'appeler les autres. Renfort ! Renfort ! Les contestataires occupent la ferme hydroponique ? Ils veulent que leur famille sorte de... Oula ! Apparemment, il est très très loin. Ça perturbe le planning. Des dizaines de gens éparpillés dans différents groupes de colonisation. Les contestataires veulent que ce soit réglé aujourd'hui. Les réalités de nos fonctions... On ne peut pas réveiller ces familles. On n'a pas les ressources nécessaires, ni d'endroit où les loger. Ils ont raison. La situation vient à peine de stabiliser. Et ça va encore mettre le bordel dans le planning. Qu'est-ce que vous proposez ? Laissons les familles en stase, où elles ne risquent rien. Et délogeons ces contestataires de la ferme hydroponique. J'aurais tendance à dire oui. Les exilés aussi semblaient avoir une cause légitime. Nous ne pouvons pas risquer une autre révolte. La survie prime sur les réunions de famille. Les déloger comment ? Comment voudriez-vous régler ce problème ? Incarcération. Pour les faire sortir, sous la menace d'une arme si nécessaire. Ceux qui résistent finiront peut-être à l'infirmerie, mais ce sera toujours mieux que de perdre la ferme ou le Nexus. Ils sont dangereux ? D'après vous, ces contestations pourraient devenir violentes ? Nous sommes tous des colons, et même les civils sont assez coriaces pour tenter quelque chose. C'est logique. En bloquant la ferme hydroponique, ils mettent en péril notre production d'oxygène. Ils en sont conscients. Finissons-en. Il faut considérer la situation dans son ensemble. Mettons-les dehors. Kandros ? J'envoie une équipe, mais ça se passera sans doute mieux si Ryder est là. J'irai. Bonne idée. Parfois, il faut annoncer de mauvaises nouvelles. Ça fait aussi partie du travail de pionnier. Non, en fait, c'est ton boulot à toi en tant que dirigeant du Nexus. Mais on n'en parlera pas, hein ? C'est vraiment un connard, ce mec. Enfin, ça me pète les couilles. Il en branle pas une et il veut être petit chef, quoi. C'est un personnage que j'exècre. Bédamarrage, on y retourne, chers amis. Bizarre ça. Voilà. Yo. Je viens avec des copines. Ça, madame. Sinon, vous allez me tirer dessus. Bonne chance pour expliquer ça à mes petits-enfants. Un problème ? Elle menaçait toutes les plantes. Elle voulait débrancher le système d'arrosage. Il paraît que les dirigeants refusent de réveiller nos familles. Eh bien, voilà jusqu'où on est prêt à aller. À eux de décider. Vous ne gagnerez pas à ce jeu. Si vous avez recours à la violence, les dirigeants feront de même. Sauf que, ils ont la milice. On n'est pas leur ennemi. Pourquoi ils parlent dans une radio ? Pourquoi c'est si compliqué d'appuyer sur un bouton pour aider ma mère ? Tout doux, petit. Le pionnier n'a pas tort. Je quitterai la station s'il le faut. Je trouverai quelqu'un qui voudra bien faire quelque chose. N'importe qui. Pense à ta mère. Tu veux qu'en se réveillant, ta mère apprenne que tu t'es exilé ? Ou que t'es mort ? Je... Rhys, ne fais pas ça. Ce serait la pire des choses à faire. Même la plus longue attente de notre vie vaut toujours mieux que ça. C'est bien. Nos familles entendront parler de ça. Elles seront sûrement d'accord avec le pionnier. Vous n'avez plus rien à faire ici. Venez. Ah, je suis content, ça s'est plutôt bien passé finalement. Je suis content. Non, franchement, là, je suis fier. Je suis très 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 content, ça s'est extrêmement mieux passé que ce que j'imaginais. Extrêmement mieux, oui, ça doit se dire. Il y en a plein de tâches. Eos. Podromos. Colon. D'accord, donc on retourne sur Eos, chers amis. C'est parti. Ça va être par là, si je me trompe pas. Au fond, à droite. Crac. Bon. Bonjour. Ah. Oui, Tempête. Merci. Dans Tempête, il y a temps. Il y a aussi Pète, mais bon. On en parle moins de celui-là, parce que c'est un peu malodorant comme blague. Bref, je continue, je m'enfonce, c'est bien. J'ai toujours pas compris comment l'ouverture de la soupe peut être un train d'atterrissage. Enfin... Je comprends le principe, hein, mais je comprends pas pourquoi, en fait. C'est le pourquoi. C'est pas logique. Mais bon, c'est pas grave. On va sur Völd ou à Varl. Ni l'une ni l'autre. Vous avez reçu un nouvel email. Un mail, bonjour. Ah merde, je croyais que... Ah, c'est ici. Oui, bonjour. Le poker de Jill. Ryder, votre présence est attendue. Retrouvez-moi au Vortex sur le Nexus. Je suis en train de mélanger les cartes du destin. Tout de suite. Bah écoute, j'arrive. Les cartes du destin. Retrouvez Jill au Vortex. Mais le Vortex, c'est où ?
D'accord, apparemment il faut que je retourne ici, c'est ça? Ah oui, c'est au Nexus, oui, je suis con, oui. Non, ça m'intéresse pas finalement. Non, 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 non. Vold, non. Non. Tâche supplémentaire. Ouais. Ouais, ça me semble pas mal. Ça doit être sur. Pourquoi? Eh oh, j'ai que 25% de découvert. Allez, pouf! Boum, bébé! C'est bon, on se déplace. Cette caméra, je comprends toujours pas son intérêt. Hein. On verrait le vaisseau, je comprendrais le principe. Vous voyez, ça me semble logique. Mais on verrait. Même ne serait-ce qu'un HUD qui représente l'intérieur du vaisseau, vous savez qu'on ait l'impression. Oui, je suis au courant, c'est là que j'ai même ouvert le premier caveau. Mais c'est pas grave, fais comme si ça n'existait pas. Passé. Non, apparemment, j'ai pas découvert quoi que ce soit sur ce monde. Allez. Ok. Péal. Allez, allez, on passe. Vous voyez, si on voyait le vaisseau, je comprendrais que le principe, on est en train de regarder le vaisseau se barrer. Mais on le voit pas, je comprends pas. Je comprends pas ce principe de faire des choses, des temps de chargement en fait. Enfin, planquer des temps de chargement dans des animations qui sont mauvaises, quoi, je veux dire. On verrait le vaisseau, il y a un intérêt si on voit le vaisseau, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Je préférerais limite un plan fixe. Hop, ça c'est bon. Crac, H276. On y va aussi. Boom, bitch. On passe. Et on est bon. Crac. Ah. Je viens de la voir, merde. Crac. Satellite détecté. D'accord. Si tu veux. Pas, donc on est monté à 87, voilà, c'est ça, c'est toujours ça un petit peu. Ça se passe un petit peu toujours de la même manière. Mais ce n'est pas grave, on y va, allez, passe. J'appuie sur X, c'est bon. Ok. Les capteurs montrent une anomalie. Ouh, une anomalie. Ah, c'est là. Hop. Qu'est-ce que ça va être? J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Du beryllium. Ok, pourquoi pas. Hop. Crac, où est Eos? Ici. Allez, on y va. On va faire notre job un petit peu, les amis. Notre job de pionnier. Prodromos. C'est là qu'on cherche à aller. Allez. Prodromos. Zone d'atterrissage. Je peux pas aller directement sur Prodromos? C'est nul. Crac. Allons-y. Ouais. Ouais. On y va. Descente possible. Non, c'est vrai. Tu crois? Synchronisation, trajectoire stable. Ouais. En train de regarder comment fonctionne le vaisseau, mais apparemment... C'est assez étrange. J'ai toujours eu du mal avec tout ce qui était vol stationnaire, à vrai dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai mettre mon... Ah oui, d'accord, non. Point de départ. Quoi de neuf sur notre première terre d'accueil? Les cartes restent présentes dans la région. Leurs incursions sont fréquentes et rendent les déplacements dangereux. D'accord. Je sais comment régler ça. Ensuite? L'atmosphère se purifie progressivement, mais il existe encore des poches de radioactivité dans certaines zones. Le phénomène est en cours d'étude. D'accord. Intéressant. Des reliquats en activité ont également été repérés en surface, mais aussi grâce au relevé sismique. D'accord. De qui on tient toutes ces informations? De vos hommes, pionniers. L'expansion de Prodromos s'accompagne de toutes les épreuves et découvertes qu'implique l'établissement d'un avant-poste. Les recherches avant tout. Toutes les données concernant les nouvelles zones accessibles d'Eos sont le fruit de leur travail. Nouvelle zone accessible, ok. S'assurer de lui accorder l'attention qu'il mérite. Bon. Alors, plusieurs petites choses à aller vérifier, chers amis. Crac.
crac, on va passer par là, oui, effectivement, crac, voilà, ouvre-moi cette porte. Merci, bonjour. Tu fais ton petit sport matinal, ce que je vois, pourquoi pas. Terminal, ok, je peux même pas lui parler, pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. J'aimerais voir monsieur le maire, à vrai dire. Crac. Monsieur le maire ? Vous êtes là ? Oui, le médecin dit que c'est... Apparemment non. En termes de mission... voilà, c'est bon. Ah, attendez, 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 attendez. Apparemment, il y a un terminal qui va me donner une mission. Bonjour ! Drone perdu. On a envoyé un bon nombre de drones pour repérer le terrain et récupérer des échantillons, mais plusieurs ont été endommagés par l'environnement hostile d'Eos. J'irai bien les chercher, mais j'ai déjà la main pleine avec toutes les réparations qu'il y a à faire dans la colonie. Est-ce que quelqu'un peut s'en occuper ? J'ai inclus les coordonnées de place des points de lancement. Marquez les drones avec une balise, notre équipe ira les récupérer. Technicien Fessenden. Bah écoute, je veux bien. Ah, ok. Tu sens comme l'air est propre ? D'accord, ok. Tu sens comme j'ai lâché une caisse aussi, c'est un an, oui. Bonjour, Ryder. Bonjour. Vous êtes ? Vous me connaissez, je ne vous connais pas. Au revoir. Ah ! Je vous scannerai tous jusqu'au dernier... Ah, merde, encore ? Pétez les couilles. Scannez. Enfin, machin. Rapport de ravitaillement de Prodromos. Auteur Jerry O'Donnell, début d'enregistrement. Les pertes de ravitaillement de notre équipe de recherche se montent à 15%. Si on avait des hommes disponibles, je les enverrais sur le site pour essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, ça me gonfle, même si c'est un environnement rude et qu'on m'avait dit qu'on m'attendre à 20% de pertes. Je trouve ça inacceptable. Prenez les sites de pertes, ravitaillement disponible, d'accord, ok. Tu veux perdu, il me donne du boulot, donc. C'est pas décarcasser à rendre des avant-postes viables pour ensuite abandonner nos ressources comme ça. Allons-y. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que tu sois la personne qui soit le plus décarcassée, comme tu le dis bien. Darkette, bonjour Darkette. Pionnier, Darkette Tyrvian. D'accord. J'ai cru comprendre qu'on m'avait sorti de stase en avance. Ma famille est heureuse, mais j'ai une dette envers vous. Oui, effectivement. On vous aurait sorti de stase tôt ou tard. Peut-être, mais je peux au moins vous montrer ce que vous y avez gagné. Je suis exoscientifique, mais j'ai aussi eu mes jours de tacticienne. D'accord. Si je devais ravitailler les cartes de cette planète, je laisserais faire la gravité. Et il n'y a pas 36 points d'insertion pour ça. Voici les coordonnées de quelques anomalies. Chasse pionnier. Maline. J'aime bien ça. Ok, merci. Au passage, je suis pas descendu avec qui je voulais. Oh, allez, deux gonzesses avec moi, c'est pas grave. J'aurais bien pris le... Je me rappelle plus comment il s'appelle. Le nouveau. Aussi. D'ailleurs, monsieur le maire dans le coin, j'espère. Monsieur le maire ? Augustus... Bonjour, monsieur le maire. Pionnier, si vous avez un moment, Henley aimerait vous montrer quelque chose. Honnêtement, je sais pas trop de quoi il s'agit, mais elle vous expliquera. D'accord. Bon, c'est parti, mon zizi. Content de vous avoir, pionnier. Ah non, elle était bien en bas. Je suis le premier étonné, à vrai dire. Bonjour, Henley. Henley. Temps, on observe une importante activité sismique. Donc activité reliquat ? Aucune idée de ce qui la provoque. Quelque chose d'étrange se produit par ici. Quelque chose d'étrange ? Quelque chose comme un tremblement de terre ou un volcan ? Je pense plutôt à quelque chose comme un reliquat qui pourrait nous être utile. Il y a des rivières souterraines inexploitables, mais avec des secousses bien placées, on pourrait fendre le sol pour les libérer et irriguer. Nos marteaux de prospection sismique conviendraient parfaitement. Il suffirait que quelqu'un les mette en place. Vous voulez bien ? De toute façon, c'est pas comme si j'avais le choix. C'est parti. Très bien. Dites-moi où aller. J'ai noté ce qui me semble être les épicentres des secousses. C'est là qu'il faut déclencher les marteaux. Mais faites attention, les secousses... Ouh ! Secousses ! Alors, vous l'avez pas vu, mais moi, je l'ai senti dans mes mains. Autre chose ? Non, ça ira, je te remercie. Au revoir ! Je dois y aller. Bon carte ! Pour la suite. Carte ! Carte, te dis-je ! Carte, pour Dieu ! Carte ! Mais merde, il veut pas m'afficher la carte. Affiche-moi la carte ! Il veut pas, hein. Ok. Là, c'est quoi, ça ? Cache trouvée. Ok, j'ai trouvé une cache ici. Ok. Là, j'ai pas le droit de savoir ce que c'est. Hmm.
je pourrais aller ici. Qu'ai-je trouvé? J'ai plein de choses à retrouver, justement. Dont plein de choses ici sont recherches. Récupération de drone, là, il y a plein de choses ici. Ok, on va se taper ici, pour commencer. Pour commencer. Je regarde mon épisode, on a 20 minutes, on a encore largement le temps, c'est parfait. Il y a du boulot. Faudra du temps pour nous en remettre. Une dure leçon qu'on n'est pas prêt d'oublier. J'ai commencé par ce qui me semble être le plus loin, si c'est pas en hauteur. Et tout ce qu'on a pu faire, c'est regarder. Merde, je croyais qu'il y avait un bouton que j'avais pour le... Vas-y. Ça va peut-être être un petit peu loin, cela dit. Hop. On monte. Crac, on est bon. Donc apparemment, ce sera en hauteur. Hein. Ok, je pensais que ça passerait avec suffisamment de vitesse. Je l'ai eu au moins? Non, je l'ai même pas eu, bouh! Ah, un souvenir! Je crois que c'est bon. Je n'allais pas en trouver un ici. D'accord, ok. Non, d'accord, oui, c'est pas logique, vraiment, pour... Bonjour. Un autre déclencheur de souvenirs? En effet, mais rien n'a été déverrouillé dans ma mémoire. Des déclencheurs supplémentaires sont nécessaires. Je me rappelle plus du tout des boutons, je l'ai dit. Je change de position. Oh, le recul. On dirait de la technologie, Gerd. Ouvrez l'œil. J'adore cette... What the... Ok. Finalement, ils étaient bien plus nombreux que prévu. Ok. Il fait mal, hein, mais... Cible neutralisée. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Tout comme je m'attendais pas à avoir autant de cartes là-bas. Ça l'a pas touché. Je cherchais des boutons, mais je trouve plus. Non plus. Comment je me baisse? Il y avait moyen de se baisser, non? Non, il n'y a pas moyen de se baisser. Je suis en train de chercher, mais je trouve pas. Ça m'énerve. Commande. Pas m'afficher les commandes, configuration, tiens voilà, ça doit être ça. Combat. Corps à corps, nanana, esquiver et grimper. Je me trompe peut-être de jeu, hein, c'est possible aussi. Ok, ouais, non, je me trompe de jeu. Bon, je croyais qu'il y avait un moyen. On a des cibles. Apparemment, je touche. Hein. Par contre, de cette distance-là, je peux vraiment rien faire, quoi.
J'en ai eu un. J'en ai eu deux. J'en ai eu trois. C'est ma pote. J'aimerais bien qu'il ait un autre mode de tir celui-là. Merci. Ok. Oui, je sais. Je suis génial. D'accord, ok. Merci d'être venu. Excuse-moi, c'est pas ce que je veux faire. Non. Ça va, ma petite amie? Ma petite... Je sais plus comment elle s'appelle. Cora, pardon. Limiteur d'impact. Je l'ai décomposé, on verra bien ce que ça donne. Hop. Dépouille, oui, si tu le dis. Cross, je prends. N'empêche que c'était bien plus dur que ce... Enfin, plus dur. Oui et non. N'attendez pas à trouver ça en fait. Ok. Je sais pas s'il y a un intérêt à décomposer en fait. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. La carte. La carte c'est pas vers le haut justement. Non, vers le bas. Non. Non, bah je sais pas, j'avais souvenir qu'il y avait un lien rapide, un truc rapide vers la carte, mais non. Ok, donc nous on va se rediriger par là maintenant. Mais d'abord on va aller chercher notre superbe véhicule doré. Hop. Mais encore une fois, je suis étonné de voir autant de Kert si près d'une ancienne base, quoi. Tu veux bien? Non, il voulait pas taper dedans, je... Ça l'intéressait pas, à vrai dire, le bonhomme, apparemment. Tu veux bien passer au travers? Non, je peux pas. Tant pis. De toute façon, tu veux que quand tu veux, hein. C'est ce qui me semble assez logique en soi, mais... Ok, on est bon. Crac. Oh là là, il glisse un peu sur les routes, hein. Pourquoi pas. Ok. Bon, de toute façon, on a des points à aller chercher. Voilà. Bonjour, bonjour. Crac, on sort. Hop. Vous avez des points de compétence inutilisés. Appuyez sur ça pour avoir des... Bon, d'accord. Pouvoir... Oui, moi j'aimerais avoir... C'est celle-là, non? Non, c'est laquelle? Normalement, il y a un truc, ici, qui me permet d'augmenter... Un entraînement physique intense, c'est une formation... D'accord. Bon, avant de lancer, je vais quand même faire un petit truc, chers amis. Je sais que je suis chiant. Hop, voilà. Ça, c'est le nomade. Ça, c'est l'équipement, voilà. Je vais aller voir directement, parce que je veux pas me planter. Aptitude de combat 3. Voilà, c'est ça. Donc. Voilà, il faut que j'ai le 3 pour avoir une arme en plus. Rang 2. Rang 3. Consommable. Efficacité consommable. Je vais prendre ça plutôt. Charge lourde. Non, je prendrai l'autre prochain. Ok. Donc là, je peux emporter une arme en plus. Techniquement. Je suis au courant. Merci, d'accord. Cora. Cora, pareil, Cora. Cora, eh ben, il va falloir que qu'on ait une conversation, Cora. Charge, c'est cool, Cora. Charge, c'est cool, cool, cool. Oh, il faut que j'accomplisse une mission personnelle pour elle. Oh là là. Peut-être un peu de bouclier, ça peut être bien aussi. 18 points investis. Putain. Bon bah...
Voilà. Voilà. Comme ça, tu vas peut-être avoir une meilleure survivance, Cora. Vetra. Pareil pour toi, t'es bien comme tu es. Efficacité, maniement des armes améliorées, dégâts des pouvoirs, force des pouvoirs. Non, on va rester là-dessus, c'est très très bien. Il faut que j'ai accompli une mission pour toi, quoi. Vetra, pardon. Hop, ok, bon, bah, on va attendre un petit peu. Ok, ce qui veut dire que là, je vais parler à l'équipement. Voilà, bonjour, j'aimerais un équipement supplémentaire, vu que j'ai un holster supplémentaire. J'aimerais, pourquoi pas, un fusil d'assaut. Un Zalkin, tiens, vas-y, va, fais péter. Voilà. En tant que mod, je vais le modder avec ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et du coup, maintenant, j'ai tout plein d'armes. Et voici donc le fameux... non, le fameux Zalkin, il est là. C'est ça ? Ça, c'est le Zalkin. Non, c'est pas le Zalkin, ça. Bah alors, il est où, le Zalkin ? Ah, bah le voilà ! Eh ben, ça sera peut-être pas si mal. On verra. Ramasse ton arme, s'il te plaît, merci. On rentre. Bonjour. Bonjour. L'autre jour, avec ma femme. Ouais. Qu'est-ce que tu me chies, là ? Oh, putain. C'est quoi, cette mission ? Elius, Eos. Non. Non. Tâche supplémentaire peut-être. Apparemment, c'est pas celle-là. C'est toujours pas ça. Est-ce que je peux voir sur la carte limite ? Ce qu'il faut que j'y fasse. Station de recherche. Ah putain, faut que crafter votre première armure. Plastron de pionnier. On parie combien que c'est ça? Ah bah non. Bon. Développement. Armure. D'accord, ok, donc j'ai rien, donc c'est bon. Hop, développement. Plastron de pionnier. Voilà. Ah, j'ai pas assez de... Ah bah tant pis. Donc de toute façon c'est toujours pas cette quête là. Cette quête là. Donc je sais pas quoi faire. Ok. Tâche perdue. Ouais, ok. Bon, c'est bizarre. Trouver les drones. Placer le pendentif. Mission. Je vais placer le pendentif en premier. On y va. Faut bien qu'on fasse au moins une quête là-dedans, quoi, merde. Ok. J'arrive pas à voir où est-ce que c'est. On y va à l'ancienne. Je dirais même à la... Oui, c'est une version américaine aussi de la conduite automobile. Je présume. Ah, le cul-de-sac, c'était pas prévu. Voilà. Tu vois, j'ai fini par monter. Merde. Ok. Bah oui, quelle idée d'aller planter un putain de pendentif ici. Merde. Ok, c'est pas grave. On y va. Oh, texture, texture. Oh, magnifique texture! Dis-moi quand tu apparaîtras! C'est l'endroit où Nigel McCoy vous a demandé de déposer son pendentif. En l'honneur de son frère, Dash McCoy. C'est tout? C'est fini? Oh putain! Elius, Eos! Attendez, carte d'abord. Là, il y a un truc à aller chercher. Chercher un drone. Ah d'accord, c'est une zone. D'accord, ok. Ok.
Du coup, je vois pas du tout dans quelle direction il faut que j'aille. Vers l'est, ce qui semble être l'est. Ok. Pourquoi pas. Trou! Ouf. Texture, ma magnifique texture. Apparemment, il y aura un cadavre de drone dans le coin. Ah bah oui, il serait bien là-bas. Me trompe-je? Vous devez regagner la zone de mission. Vous n'avez pas le droit de quitter cette zone. Sous peine de décès. Ok. Vous avez voulu faire cette mission. Vous êtes forcé de la terminer. Ouais, mais enfin bon. Il y a faire sauter, hein. Je peux pas le faire non plus. Voler. Essayez. Je n'ai absolument aucune idée de là où je suis censé aller. Oh putain! Il y a un truc là-bas. C'est ça un drone? Ce perso, j'appelle pas ça un drone, hein. Datapad. Mission. Technicienne en chef. Profil connecté, Grace Lito, technicienne en chef, nouvelle entrée, c'est ma dernière entrée, je vais fermer le point de ralliement Delta et déclarer l'évacuation est terminée. Le reste du personnel n'a pas donné signe de vie, je leur ai promis que... Pause. Reprise, ça suffit, je n'ai même pas réussi à achever un seul... Ouf, calme-toi. Enregistrement de l'identification cryogénique de l'initiative E97 du Rango. Technicienne en chef, Grace Lito. La dernière a évacué. Elle a pris des risques, mais... Donc je suis pas tout dans la bonne zone. Donc j'ai quitté la zone à un moment. Je l'ai payé. Je sors de la zone dans un autre endroit. Je ne le paye plus. C'est... Allez comprendre. Alors, on va essayer de faire cette mission avant de se laisser quand même. Ça me pète les couilles de pas y arriver. Ok, on y retourne. Trouver les drones. C'est rigolo, toi. Parce que moi, clairement, le drone, il est là-haut, là, vous voyez. Ou c'est une plante? Non, c'est une plante, apparemment. Ah, si, je sais, c'est parce qu'il est sous terre. Regardez. Hop. Ah bah, il est où, le drone? Non, il est pas sous terre? Tiens. Bien, j'ai cru voir un truc à 2 secondes. Ils sont bien foutus de ma gueule. C'est un drone, mais alors attendez, est-ce que c'est une fourmi drone ou... Et donc, le drone, je suis censé le trouver comment? Ok, c'est la fête, pardon. Apparemment, je suis pas le seul à chercher.
Ok, je comprends pas parce que moi sur le mec là sur la carte, il m'a dit que c'est pas celui-là du tout. Donc j'aimerais comprendre. Ou alors on va chercher en fonction de la carte, on va se mettre pile dessus puis. Alors un peu plus à gauche apparemment. Je peux partir dans la bonne direction apparemment, c'est génial. Oh putain, je vois un truc là-bas devant, regardez. Non, c'est une plante. Oh putain, regardez, j'ai une barre. Wouah! Le machin, il était pas du tout. Alors, ça c'est le drone. Il me l'indiquait là. Dans un cercle ridiculement petit. Pour ceux qui l'auraient pas suivi, hein. Ok, comment je te marque? Ah, il faut que je te scanne. Voilà, placer la balise. Voilà. Ah bah oui, j'avais ça dans mon cul, tiens, tant qu'à faire. Ok, bon. Comment je remonte pour aller chercher le machin? Je remonte pas, ok, pourquoi pas. C'est débile. C'est débile. Enfin bon, c'est pas grave. Eh ben écoutez, chers amis, moi je vais vous faire passer rapide. Je crois que c'est déjà en train d'aller chercher. Faire passer rapidement ce moment où je vais courir jusqu'à la balise. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Voilà. Salut les gens!